Les sciences comptables vont permettre de vous sensibiliser et de faire en sorte que les liens soient toujours propres. C'est bon d'être dans un environnement propre, vous le savez bien. On est ici maintenant, c'est des salles, personne ne serait à l'aise. L'École nationale d'économie appliquée et de management de Cotonou est la troisième destination pour le Café Environnement édition 2024. L'expert du jour a pris du plaisir à échanger avec les étudiants. Dès que l'océan nous envoie de l'air frais sur le continent, vous avez la fraîcheur. Dès que c'est la chaleur que l'océan envoie, on a la chaleur. Mais tous ces phénomènes-là se passent pour que nous ayons les saisons. Nous avons la saison sèche, nous avons la saison pluvieuse. Mais quand vous allez au niveau des pôles dans les pays tempérés, vous allez avoir plusieurs saisons. Le point focal Café Environnement et NEAM a eu l'occasion de s'adresser à ses futurs collaborateurs, désormais ambassadeurs du Café Environnement. Je pense également pouvoir faire un grand travail avec vous à travers cet engagement que nous sommes en train de prendre. Je pense pouvoir aller beaucoup plus loin avec vous de toutes les façons. J'ai affûté mes outils pour pouvoir vous accompagner dans cet engagement que vous aurez pris et je voudrais bien que massivement vous preniez cet engagement afin que cette session a été marquée par la prestation artistique de la chanteuse Aïssi, également engagée pour la cause environnementale.